Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, un nouvel épisode où on va tenter d'aller faire un petit tour dans le Nether via un nouveau portail. Mais avant ça, je voulais vous montrer que les petits mulets ont bien grandi. Donc je les ai, entre parenthèses, enfermés dans cet enclos avec les autres ânes, les chevaux. De l'autre côté, j'ai laissé les dromadaires tranquilles. Je crois que j'ai quand même attaché le petit, de manière à ce qu'il ne s'enfuit pas. Voilà, et donc l'objectif du jour, ça va être donc de s'occuper de cet emplacement-là. Ah ouais, bien sûr, j'ai plus de place dans mon inventaire. Alors, on va s'installer par ici. Voilà. Hop, et aller récupérer tout ça. Non, pas commencer par se vautrer là-dedans. Voilà. Hop. Alors, j'ai avec moi encore plein de choses qui traînent. Ça, c'est principalement de la décoration. Voilà, ça, on va le prendre ici. Et ça va nous faire un petit peu d'éclairage. Pour éviter que les mobs viennent nous embêter. Alors, je vais faire le portail ici. Ouais, les mobs, ça y est, ils ont spawné. Et je me disais, j'avais comme envie de ne pas le faire juste au niveau du sol, mais de le faire un petit peu plus bas. Voilà, donc je me disais que d'ici, j'allais peut-être créer une caverne et puis faire tout ça oui en bas si je dis ça mais c'est pas vrai je vais passer mon temps à me clasher avec eux là super ça me sert à rien bon mais le plus simple ça va être d'aller se coucher. Et puis d'attendre qu'il fasse jour pour pouvoir m'occuper de ça. Allez, zou. Ah, je partage ma maison. Petite pensée pour Kiki. C'est parti. Donc je répète à nouveau, je me fais un portail, mais plus bas que ça. J'ai ce qu'il faut hein, en obsidienne, donc ça pose pas de problème. Et je vais aussi creuser là-dedans. Je m'en doutais. Alors, hop. Si j'ai un lac de lave en dessous, c'est bien ça. Allez, on enlève toute l'eau, on récupère tout ça. Donc ici, derrière, potentiellement, on peut encore avoir
un petit peu de lave. Mais dans l'absolu, on n'en a plus. Voilà. Ce qui veut dire que je peux éventuellement faire mon portail ici. Avec... je tente le coup. Oui, c'est bien ça. Hop. Voilà. Oh, j'ai envie de le faire un peu plus grand quand même. Voilà. Voilà, ici on est bon. Je poursuis la descente. Voilà. Potentiellement, c'est ce que j'avais envie d'avoir. Et on va refaire la déco plus tard, tout autour de ça. L'idée maintenant est de l'ouvrir, mais pas de descendre en direct comme ça sans avoir une protection. Donc, je pars chercher un petit morceau d'armure en or. J'ai mis ça, oui, par ici. J'ai dit une petite protection, je vais peut-être pouvoir me faire la totale. Voilà. Et vous savez quoi ? Je vais même aller l'enchanter. Hop. Solidité. Protection contre les projectiles. Allez. Avec une petite solidité, c'est parfait. J'en profite pour voir si ça me change. Ouais, aucun intérêt. Bon, et ben voilà. Au moins ici, on a notre équipement. Au village, il y a des gens qui foutent rien, qui n'ont pas de métier. Il va falloir que je m'occupe. Aïe, que je m'occupe de ça. Plus tard. Première chose à faire ici, ça va être de réaménager le secteur pour faire. Hop. Voilà. Ah, j'aime bien cette idée là de descente. Et il va falloir que je trouve. J'ai déjà une idée parce que là-bas au fond. Bon, et je vous le montre tout de suite. Là-bas au fond, j'ai découvert un mineshaft qui me plaît. Et qui fera l'objet d'un épisode à lui tout seul. Une descente. Ah, j'entends de la lave. Une descente. Pardon. Dans ce mineshaft. Regardez-le. Alors d'ici on le voit. Non, on voit pas très bien par ici, c'est plutôt par là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'aller voir ça. Et j'aimerais bien en fait récupérer tous ces éléments-là pour faire une grotte dans laquelle il y aurait ce portail.
le grand portail que j'ai ouvert là-bas. Maintenant, j'espère une chose, c'est que ce portail m'emmène vers un biome du Nether intéressant. Éventuellement, petite forêt biscornue ou quelque chose comme ça. Ce qui n'était pas le cas lors de ma première descente. Donc voilà. Alors ici, on va mettre un espace où on va pouvoir poser les affaires. Oh, il y a de la lave au-dessus. Il reste de la lave au-dessus. Peut-être pas bon ça. Ouais, pas bon du tout. Donc on va faire ça comme ça. Ouais, il m'en reste un avec de l'eau. Voilà, et donc ici, je vais pouvoir poser ça. Chaque fois, je me demande s'il faut que j'emmène autant. Là, on va en emmener un petit peu parce que j'ai une idée. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. On est bon, un petit peu de bois. On sait jamais. Voilà, bah, on va juste se débarrasser de ça. Et on s'équipe tout en or. Voilà. Ouais, il va falloir réparer tout ça. Allez, on essaye, on est parti. Go! Suspense insoutenable. Ça grogne. Waouh. Donc eux, pas de problème. J'entends un ghast quelque part. Là-haut. Ok. Donc pour l'instant, il me repère pas. Ça y est, non. Ouais, je peux pas le toucher comme ça, moi. Ouais, allez hop, il a disparu, c'est très bien. Alors lui là-haut, il peut très bien descendre et me tomber sur la tronche. Ok. Bon, c'est pas si mal que ça. Sauf dans ce secteur-là où j'ai aucune envie d'aller. C'est quoi ça s'appelle? Je crois que c'est le delta de basalte. Donc pas très intéressant pour moi. Moi qui ne supporte pas la lave, j'en garde un très mauvais souvenir, carbonisé. Je vous laisse aller découvrir le l'épisode qui en parle et qui a été ben, en fait l'objet de la relance de cette partie. Voilà, donc là je ferme cette arrivée-là. Ouais, il y en a aussi partout ici. Mais il y en a déjà un petit peu moins par là. Alors vous allez me voir très très prudent. Parce que mes réflexes de joueur sont nuls ou proches du nul. Et donc si je tombe dans la lave, je serai capable de crier au secours, au secours, au secours. Et puis finalement de mourir juste parce que je suis resté dedans. Bon, bah c'est pas trop mal. Il y aurait toute cette zone-là à explorer. Ah, il y en a un là-haut. Ok. C'est pas si mal que ça. Voilà. J'essaye de repérer potentiellement. Ah bah si, il y en a quand même.
l'avais pas vu tout à l'heure, mais... Alors, je vais essayer de faire du trade tout de suite avec lui. J'aime pas quand il se jette sur moi comme ça. Et il faudrait pas qu'il y en ait un autre qui s'approche. Ça c'est les flèches lumineuses que j'utilise pas du tout. Merci de m'en donner. Comme on lui dit gentiment que ça m'intéresse pas. C'est quoi ça? Ah si. Ça je prends. Ouais, pour l'instant, on n'est pas encore dans les échanges super intéressants. Alors, mon objectif ici, ça va être plutôt de récupérer, enfin de tenter de récupérer de la netherite. Quelque chose que je n'ai jamais fait, jamais trouvé. Et la dernière fois que j'ai essayé de le faire avec de la TNT, je me suis fait exploser aussi. Donc je pense que je vais partir dans une recherche plutôt classique en allant taper dans toute cette partie-là. Bon, ben voilà. Entre parenthèses, aucun intérêt dans cet échange. Oui, rien d'extraordinaire, de la roche noire, du sable des âmes. Dans l'absolu, là pour l'instant, ça me sert à rien. Allez. Alors, je crois savoir que pour trouver de la netherite, il faut être à une certaine hauteur, mais comme je n'utilise pas l'option qui permet de savoir... Enfin, la touche F3, on va dire, hein, sur le PC, qui permet de savoir où on est précisément, et ben je vais faire un peu au pif. Et si vous avez des astuces... C'est quoi ça? Ah ouais, non, pas que je lui tire dessus, lui. Si vous avez des astuces pour vous repérer dans cette dimension, je suis preneur. Et je sais que là, il faut que je fasse gaffe de ne pas prendre d'or, sinon ça va les énerver, eux, là. Bon, ben on va s'arrêter par là, hein. Rien à l'horizon. Si je redescends un petit peu de ce côté-ci, peut-être. Oh, c'est... Oh non, j'y ai cru un instant. Mais pas du tout.
Allez. Ah, il m'a vu. Et il est mouru. Ouf. Bah là, je suis content de moi. Très content là. Alors, de ce côté-ci. Ces petites bestioles-là, il paraît qu'on peut les apprivoiser avec une canne à pêche et une carotte. Je pense que je vais aller chercher ça. Et il faut peut-être une selle, je sais plus. J'ai comme envie d'aller essayer, mais en même temps j'ai pas envie, j'ai peur. J'ai peur de me gaufrer là-dedans et de mourir. Allez, on va creuser encore un peu par ici. Ça, c'est pas mal du tout. Alors là, par contre, derrière ça, il y a clairement de la lave. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu là? Non. Ça va me coûter cher en réparation sur ma pioche, ça. Alors, toucher de soi pour virer le gravier. Ouais. Non, mais non. Pas ça. Voilà. Hop là. Oui, je suis arrivé par là. Ok, hop, je marque mon passage. Et je monte plus haut ou pas? Allez. Ah oui, celle-là est encore plus rapide que l'autre. J'aurais aimé apercevoir un morceau de bastion ou un morceau de forteresse, mais quelque part je me dis que c'est peut-être plus simple comme ça si je veux chercher de la nésérite. Eux par contre peuvent, je crois, me donner des cœurs de magma ou... Enfin, de toute façon, tant que j'ai pas de blaze, je pourrais pas faire de potion. Mais je crois qu'il est intéressant lui là.
Non, j'ai rien récupéré là. Zut. Ah voilà, c'est ça. Je me débarrasse de ça. Voilà, super. Allez. À bientôt. Waouh! Alors, des briques. Je vais voir ce que je peux en faire. La roche noire aussi. Des pierres lumineuses. On va les garder pour ici. Le quartz aussi. Voilà. Oh, bah dis donc. Bien sympathique cette descente quand même. Ça, je vais aller la mettre crème de magma, voilà, c'est ça. Ça, c'est le bordel. Ça, on va garder et ça, on va les ranger ailleurs. Car ça n'a rien à voir avec tout ceci. Hop. Bon, et eh bien voilà, une petite descente dans le Nether. J'ai pas envie de faire un épisode trop long, donc je vais pas refaire une descente directement maintenant, même si ça mérite. Hey, vas-y toi. Pousse-toi, c'est mon lit ça. Donc je disais, va-t'en. Allez, va voir ailleurs. Donc je disais, refaire une descente pour tenter de créer un deuxième passage pour ressortir peut-être plus loin par là-bas. Ça pourrait être intéressant. Mais je pense que je le ferai peut-être en off. Voilà, j'en sais pas trop, mais on va s'arrêter là pour cette descente dans le Nether, ce portail qu'il va falloir embellir peut-être. Et poursuivre avec encore un épisode avec une descente là-bas, mais il y a aussi les œufs de renifleur à aller chercher. Waouh, plein de perspectives intéressantes. Mais en tout cas, lui, il dort pas dans mon lit. Bon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!